Bienvenue sur History BD. Je suis Sandrine et on se retrouve aujourd'hui à la rencontre des loulous du monde d'Ilmik. Hello, salut les loulous, bienvenue. On est nombreux et je suis très très contente de faire la vidéo avec le parrain de ma chaîne. Pareil. Donc du coup, on a été hier chez Brest Comics à Saint-Brieuc. Très bonne adresse. Terrible. Les cartons chauffés, mais de ouf. Les cartes bleues. Les cartons ne chauffent pas. Carte bleue ont chauffé. Et donc du coup je me suis acheté cette figurine. Je suis très très fan de Pennywise It. Et voilà. Donc du coup on va faire un petit unboxing avec le monde d'Ilmik. Je veux bien parce qu'effectivement Pennywise, pareil, hein. Je suis assez fan de Pennywise. J'avais vu un peu la version d'époque des années 60, si je dis pas de bêtises. Combien? 90. 90, c'est le premier? Ah, c'est pas plus vieux que ça. Donc des années 90, c'est pas plus vieux que ça. j'avais particulièrement apprécié, mais qui m'avait un peu traumatisé quand j'étais gamin, mais je pense que ça traumatisait beaucoup moins d'ailleurs. Mais c'était vraiment cool. Stephen King, j'ai lu quelques livres également, parce que bon, à l'origine, c'est un tiré du roman de Stephen King. Oui. Que j'ai bien apprécié. Quand ils ont fait la réédition en 2017 de Hit, forcément j'étais comme un dingue, la partie 1 et la partie 2 m'a juste tué. Et là je me rends compte que c'est une figurine qui est tirée du chapter 2, donc du deuxième film, qui est sorti deux ans plus tard, en 2017, donc en 2019, j'étais en Covid je suppose. Donc ouais, je suis plutôt content d'être là, donc je te remercie de m'avoir invité. Et puis je suis plutôt content de voir également à quoi va ressembler cette statuette, parce qu'effectivement il y a l'air d'y avoir deux visages. Oui. Dont un visage qui me plaît particulièrement parce qu'il est là avec la langue qui pendouille. Ah non, moi elle serait exposée comme ça. Ah, grâce. C'est évident quoi. On fait le tour de la boîte ? On fait le tour de la boîte. Donc du coup, on retrouve, c'est devant, on retrouve bien sûr la figurine. Et c'est de Pennywise. Qui ? C'est de. C'est de Iron Studio. Iron Studio. Il y a des belles Donc, figurines. Voilà. Sur le côté, on voit justement la figurine avec la deuxième tête qu'il va y avoir, où il tire la langue, la façon dont moi je vais l'exposer. Vous avez avec la première tête ce que ça va donner. Et sur le côté, il n'y a rien de spécial, juste Pennywise. Le packaging est sympathique, et au fond, il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a qui a fait quoi, on dirait. Qui a fait quoi, ouais. Salut Samuel, d'ailleurs. Le packaging est plutôt sympathique, j'aime bien, parce que c'est bien mis en valeur. On sait ce qu'on va avoir à l'intérieur. Ouais. Du moins, j'espère, parce que si on n'a pas ça, c'est du vol. On sait ce qu'il va y avoir à l'intérieur. On peut parler du prix? Combien est-ce que tu l'as acheté? 200€. 200€. En plus, c'est pas forcément très cher pour ce que c'est. Je suis passé le verre. Ouais, moi aussi. Donc, la figurine, on n'a pas dit, elle est un dixième. Oh, un dixième. Combien d'exemplaires? On ne sait pas. Après, l'Iron. Je suis pas sûr que ce soit une série. Ouais, je pense qu'Iron Studio, ils font pas de série limitée. Hein. On se retrouve pour l'ouverture de la boîte. Si tu fais ça avec ma figurine, non. Tu vas passer un mauvais moment. Non. Donc, alors, notre amie Emma qui est sur le côté, qui ne voulait pas faire la vidéo avec nous, et tant que, nous dit qu'elle a été peinte à la main et que tu. Il y avait quoi encore comme renseignement? Elle est en polystone et elle est. C'est une édition limitée, mais pas numérotée. Merci Emma. Polystone limité, mais pas numéroté. Donc du coup, on va peut-être. Si je la pêche, je peux. Allez, non. Titre. Ah, ah oui, ok, d'accord. Pèse. Oui, effectivement, c'est bon. C'est lourd. Le socle. Super détaillé. Ah, t'as une sorte de résine, je sais pas si c'est, mais c'est de la résine. T'as une résine transparente qui imite l'eau des égouts qui coule dessus, avec les ballons de chaque côté qui sont ils sont intelligemment fixés parce qu'on a l'impression qu'ils volent, mais en fait ils sont tous accrochés au décor. Donc là on est effectivement sur de la résine, c'est quand même super lourd. Et je sais pas si au-dessous on retrouve. It Chapter 2 Pennywise de chez Iron Studio Made in China. Oh, un dixième. Donc effectivement, c'est pas numéroté. Très joli. L'effet brique est très sympa.
Ils ont même fait détailler l'arrière, alors qu'on n'est pas censé voir l'arrière. Ouais, ils ont détaillé, détaillé l'arrière. Je pensais qu'il y avait une petite feutrine, il n'y a pas de feutrine derrière, au-dessous. Ça peut être pas mal. Ouais. Et... Ensuite, on a le corps. Donc toujours avec les petits ballons, bien sûr. Hein. Ça, on n'y coupe pas, ça fait partie du personnage. Alors là où c'est intéressant, beaucoup de figurines Pennywise, notamment celles qui sont sorties assez précipitamment après le film, ils ont voulu un peu surfer sur la vague, notamment après la sortie du chapter 1, le premier, on voyait très peu l'arrière de Pennywise, on voyait très peu son dos. Ouais. Ce qui fait que les premières figurines de Pennywise qui sont sorties, il n'y avait pas ce tressage derrière. Il n'était pas représenté parce qu'on le voyait très très peu. Donc les premières éditions sorties et on n'avait pas le tressage. Depuis, forcément, là, c'est le chapitre 2, donc on le voit bien de dos dans le chapitre 2. Donc là, ils ont bien représenté le tressage qui est à l'arrière de son costume. C'est comme ça que tu vois, c'est vrai qu'ils sont sortis très vite après la sortie du film pour surfer sur la vague. C'est ça qui est super intéressant de faire cette vidéo avec toi, parce que moi, je suis fan des films, mais après tout ce qui va en plus des films, je suis pas forcément au courant. J'aime bien tous les détails. Oui. Avec, comme tu sais, je suis partie d'une association de costumiers de chez Star Wars, du coup la 501e Légion. Les costumes, les détails des costumes et autres. Moi, quand je regarde un film, quel que soit le film d'ailleurs, je suis toujours focus sur les costumes, les détails des costumes, etc., etc., que ce soit du Star Wars ou autre. Forcément, quand le film est sorti, quand It est sorti, j'ai épluché le costume dans tous les sens. Pas forcément pour en faire un, je ne suis pas du tout physique pour faire un Pennywise. Mais j'aime bien voir tous les petits détails. Ouais. Et à un moment donné, dans le chapitre 1, tu le vois furtivement passer. Et du coup, je me dis, oh, c'est tressé derrière. Ah oui. Et par contre, bon, voilà, c'est sorti, les figurines, ça ne l'était pas. Là, ils l'ont fait. Donc ça, c'est très cool. Je te laisse l'emboîter, parce que je ne sais pas trop où il se... Ouais, là, je vois un trou. Là, je vois un téton. Les tétons dans les trous. Voilà, à mon avis, le téton va dans le trou. T'as vu où le trou, là? Là. Ah, là. Vas-y, mets comme ça, si tu casses, tu me rembourses. Logique implacable. Ah oui, d'accord. Attends. Le trou n'est pas formé? Oh, pardon. Non, non, mais si, non, c'était... Titre. Non, mais il faut forcer, je pense. Alors, c'est de la résine, donc fatalement... fatalement, il faut forcer un peu. Fais-moi voir un peu la boîte, que je le mets dans le bon sens. Hein. Personne n'a dit titre. Vous nous décevez. Ok, donc il est bien comme ça, le pegs, il va bien comme ça. Je te garantis pas qu'une famille, tu pourras t'arriver à le remettre dans la boîte. Hein. Ou alors, je vais juste légèrement emboîter, je vais pas l'enfoncer à fond. Ça, tu pourras le remettre dans la boîte. Ouais, vas-y, ouais. Juste de façon à ce qu'il ne tombe pas. Parce que la résine, elle a un peu bougé. Du coup, le trou, il est plus aussi bien formé. Le nombre de titres potentiels dans cette phrase. On voit qu'il est pas long, toi, hein, parce que... Ouais. Je le fonce pas plus, hein. Ok. Ok. Ensuite, le bras. Le bras droit. Donc là, il y a un sens, hein, tu vois, le pegs. Alors, regarde bien comment c'est sur la boîte. Et tu verras que t'es complètement l'envers. Voilà, ok. Bah non, regarde. Là t'es bon, ouais, là t'es bon. Tout à l'heure tu l'étais pas. Je sais. Je vais avoir des soucis avec Jérôme, moi. Alors, on a la première tête justement qui est sur. Qui était sur la boîte. Donc la plus. Ouais, c'est le. Est-ce que je peux regarder de près? Est-ce que je peux regarder de près le head sculpt? Mais bien sûr, monsieur. Parce que, mine de rien, l'acteur qui s'appelait... On avait oublié depuis qu'elle nous a dit tout à l'heure. Eddie, Freddy, hein? Comment tu dis? Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. Il a une particularité physique assez particulière, c'est qu'il arrive à faire... je crois que son œil gauche, il arrive à faire dériver son œil gauche légèrement. Ouais. Et c'est vrai que Pennywise, quand tu regardes, il a son œil qui... Il a un côté un peu dérangeant dans son regard.
parce qu'il n'a pas un regard normal en fait. Quelqu'un de normal, il a les deux yeux qui te regardent en face. Tandis que l'acteur, il arrive à en faire dévier un œil, et il en use et il en abuse dans Pennywise, et bien souvent, il a un œil qui part sur le côté, ce qui rend vraiment un côté très dérangeant en fait au personnage. Tu sais que j'ai jamais regardé à quoi il ressemblait l'acteur, parce que je ne veux pas savoir à quoi il ressemble, je veux garder que cette image-là en fait. Okay. J'ai peur après que ça change. Pourtant, tu sais à quoi il ressemble, parce que tu l'as déjà vu dans plusieurs films. C'est vrai ? Il a fait des films, je ne sais pas en tête, mais je sens que Emma est en train de chercher. tu l'as déjà vu. Du coup, je regarde si son œil part bien sur le côté. Oh non, on avait dit pas de gros mots. Et pareil, cet acteur, il a deux particularités en fait. Le premier, c'est qu'il arrive à faire partir son œil de côté. Donc ça, c'est pas un effet visuel dans le film, c'est vraiment, il le fait vraiment. C'est vraiment son œil qui part sur le côté. Et il arrive en plus à faire une petite... Ouais. Une petite lèvre, comme ça. Ça, c'est pareil, c'est l'acteur arrive très bien à le faire. Et là, on retrouve, bon, pas forcément la lèvre, pas dans cette position-là. Par contre, si tu regardes bien, t'as son œil, effectivement, droit. Il est pas axé avec l'œil gauche, et du coup, il part un peu sur le côté. Donc ça, c'est plutôt bien représenté. Ouais, carrément. Non, le S-Cult est vraiment sympa, on retrouve un peu les cheveux, puis la coupe un peu en pétard comme ça, typique des clowns. Ouais, c'est assez flippant quand même. C'est assez flippant. Donc là, on peut voir sur le PEGS, il y a un aimant sur le cul. Je suppose que quand je vais venir présenter la tête au corps, ça va s'aimanter. J'ai l'impression que je sais pas bien assembler le bras, regarde, il y a un écart. Alors, on va le mettre en face de nous. Déjà, ouais. Non, je regrette pas. Ah, franchement, j'accepte ton cadeau. Non. C'est mon look qui l'a acheté. Ah, il est magnifique. Ah, elle est trop bien, je suis trop contente. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'avais vu, que je l'avais repéré. Et les ballons, tu vois, les ballons sur le côté, ça te donne un effet de volume en plus que t'aurais pas s'il y aurait pas tous ces ballons. Quoi. Donc t'as les ballons partout, ça fait un bel effet de volume. Ils ont été astucieusement placés en plus, hein, tout sur les côtés. Donc t'as vraiment l'impression qu'ils volent, mais en fait, ils sont juste collés à des parties de décor. Elle est trop belle, je regrette pas du tout. La résine au niveau du pied, ça donne vraiment l'impression que c'est avec la mousse qui sort de la bouche d'égout, quoi. Ouais. Qui jaillit de la bouche d'égout. Les pompons, t'as vraiment l'impression. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tripoté son pompon. Titre. J'ai tripoté son pompon parce que j'ai cru que c'était une sorte de mix média en fait et que le pompon était en tissu, mais en fait non, il est en résine également. Ah non, c'est pas de la résine du coup, tu m'as dit Emma, c'est du polystone. Merci Emma. Merci Emma. Merci Emma. Merci Emma. Il va falloir que tu viennes faire coucou derrière la caméra, on te voit quand même Emma. Tu vas être obligée. T'as pas le choix. Viens faire coucou Emma. Passe derrière et viens faire coucou. Emma, s'il vous plaît. On applaudit. Vous avez tous les renseignements pour la vidéo. On avait l'impression de connaître, mais elle nous a beaucoup aidé. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es contente du coup de... Ah, mais attends. De cet achat. Je suis folle de joie là. Elle est absolument magnifique. Elle va avoir une place de choix à la maison. C'est qui le bourrin qui fait du bruit là? Où est-ce que je vais la mettre? Sûrement dans ma bibliothèque. Sûrement. Je vais faire juste une case pour elle et une place de choix. Si t'arrives à venir. C'est lui le bourrin. Si t'arrives à venir réussir à lui faire une lumière plongeante comme ça, ouais. Tu veux lui faire des ombres sur le visage et tout, ça va être excellent. Avec des petits LED, Jérôme, tu vas nous faire ça? Oui, il dit oui. Il est super content. Donc voilà, on va découvrir. Ouais. La tête, à mon avis. La tête. Ah ouais, je l'ai vu sur la boîte directe. La tête. Ah oui, grave. Ah, la oui. Tête de Framadag. Ah oui, non, ne lui rompez pas une tête. La tête, c'est the tête. De toute façon, à la fin, on vous fera des vidéos tournantes avec les différentes, les deux têtes séparées. Ouais, non. Benoît, des vidéos tournantes. Ouais, non, c'est top. Je préfère celle-là. J'aurais préféré que la langue tombe un peu plus. En fait, tu vois ce que je veux dire? Alors, si
tu veux que toi un peu plus, à mon avis, ça aurait été plutôt la scène où il lèche le, c'est la vitre, juste avant de bouffer le... Parce que là, t'as l'impression qu'elle est moins sortante comme ça. C'est parce qu'elle retourne... Ah ouais. Ah oui, oui, là, ouais. Bon, il faut l'avoir après la tête sur la figurine. Tu vas pas le péter, parce que je vais le payer. Ah ouais. Non, non, tu vas devoir aller retourner à Saint-Brieuc. Hop, c'est la route. Paris, allez, non, c'est pas. On regarde d'abord, on vous dit après. Oh putain, c'est comme ça qu'il fallait. Ah, mais grave. Ah, oui, non, mais grave. Non, mais là, franchement. C'est comme ça qu'il faut l'exposer. Avec la langue qui sort, oui, donc il faut l'exposer comme ça. Non, mais là, il n'y a pas débat. Comme dirait mon ami Benoît, il n'y a pas débat. Non, avec la langue, il est magnifique. Il est magnifique. Hein. Ah, je suis trop en fait. Ah, tu peux. Il a fallu que j'attende hier, que je fasse la vidéo aujourd'hui pour la déballer, pour la voir. C'était un peu dur. C'était quand dur. Même. Lui aussi, il a fait plein de... Il a plein de trucs, il a plein de vidéos à faire aussi avec ce qu'il a acheté. Ah oui. Bah, très sympa. Elle est magnifique. Les amis, je vous profite que vous êtes là pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez. De loin, c'est très... Un peu. Ah mais Pennywise, c'est flippant et... Bon, moi, j'ai pas vu les films. Non. J'ai vu Stephen King il y a quelques années déjà. Mais je les ai pas vus les derniers. Donc, du coup, ça me donne envie. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, mais il faut qu'on se fasse une petite journée. J'ai vu les deux versions, la version 90 et celle-là. C'est vrai qu'on a une belle retranscription de ce que représente le personnage dans ce film. Parce que même si le film d'origine est plus parlant pour moi, cet acteur-là fait vraiment flipper dans ce film. Et la figurine est très bien représentée dans la position comme elle est représentée là, actuellement. Vincent ? Elle est magnifique. Viens là, si tu peux passer le coup. Elle est magnifique. Déjà, je le trouve beaucoup plus terrifiant dans cette version-là que la version 90. Moi, je préfère la version 2017 seulement. Que la version version 97 90. Je préfère vraiment cette version là pour moi, par rapport même aux effets spéciaux du film, je trouve mieux. Ouais, c'est vraiment nickel. Et bien là, ah ouais. T'as les goûts là? Oui. Clément, tu veux donner ton avis? Il y en avait qu'une, magasin. Ah non, il y en avait plusieurs. Moi, tu sais, je suis pas tellement fan des films d'horreur de base. C'est pas les films d'horreur. Tu connais quand même le personnage de. Oui, oui, je connais un peu de tête, etc. Donc, oui. Ouais, elle est magnifique, hein, franchement, avec les coulures et tout ça dessus. Très très belle. Avec les. Avec l'effet et tout ça, c'est que ça rend bien. Ça rend très très bien. C'est pas une fille, c'est un clown. Ouais, non, mais l'effet de la position, tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'on est en cercle quand même. Non, mais elle est super belle. Et moi, tu veux donner ton avis? Toi qui aimes bien les clowns. Toi qui adores les clowns. Vraiment. Au niveau des détails, c'est vraiment extrêmement fin. Même le grain de la peau et les rides qui sont présentés. Parce que la peinture, c'est. Bah, c'est peint à la main, on voit que c'est. Ouais, c'est vrai. C'est quand même pris le temps de bien faire les choses. Des fois, peint à la main, ça va un petit peu de tout régrésir. La précision est bonne, effectivement, c'était pas à la main. L'effet des ballons qui flottent. Ah ouais, c'est magnifique ça. Hein. Ah, les ballons, j'ai mis de la vie, je mets ça chez moi, mais très joli. Alors, à savoir que moi, dans la vraie vie, on va dire. J'ai peur des clowns. Je crois que t'as eu un clown dans la maison. Non. Non, j'ai vraiment pas trop clown. Je suis quoi que. Hein. Je n'aime pas, aller dans les cirques. Je n'aime pas les clowns. Je n'aime pas ça du tout.
Mais à savoir que quand c'est un film, ça passe, quoi. Et lui, je le kiffe, mais total, quoi. Trop, trop belle. Ah, grave. Je suis trop, trop contente. Petite conclusion, mon parrain. Bah, j'accepte ton cadeau. Non. Franchement. Alors, je t'aime. Non, non, elle est... Non, c'est vraiment génial. Franchement, Iron Studio, je suis pas forcément fan de leur production. Je connais pas trop ce... Mais... Enfin, je connais par rapport aux vidéos de Samuel. Mais j'avoue, mais, ouais, non, mais là, j'avoue qu'ils ont... Ouais, là ils ont envoyé du pâté. Pour les fans de Pennywise, ils ont envoyé du pâté. Ouais, j'avoue. Elle est magnifique. Le c'est prix sympa. Est très correct. À ouais. Savoir que chez Brest Comics, vous avez quand même une sécurité, c'est-à-dire que Marie ou les autres personnes travaillant avec elle ouvrent toutes les boîtes pour vérifier que les statues ne sont pas cassées. Ce que je trouve déjà très très sérieux de leur part. C'est la première fois que je vois ça, moi. On arrive à la boutique Brest Comics, on passe à la caisse. Ils ouvrent, ils déballent, ils retirent le plastique, ils sortent la figurine, ils te la montrent. Au moins, t'es sûr déjà que c'est la bonne figurine qu'il y a dedans, qu'il y a quelque chose dans la boîte, ouais. Que c'est pas cassé, surtout. Ouais, là, c'est Marie qui a regardé, elle me dit que je voulais vérifier qu'il n'y a aucun ballon de décollé, de cassé, tout ça. C'est vraiment très très sérieux cette boutique, moi je vous recommande vraiment. Donc, Brest Comics à Saint-Brieuc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ou ils ont également un site internet que je vous mettrai dans la description. Si vous voulez jeter un œil et passer commande chez eux. Voilà, mon cher parrain, je te remercie Merci à toi. D'avoir fait cette vidéo avec moi. Les amis, je vous remercie de m'avoir donné votre avis. Et puis, sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Bye. Vous. Je vais tellement mal à l'aise. Tu as tapé tout le monde, ouais. Il faut pas que je fume comme ça. Ah bah là, je me suis tapé Mimic, Benoît, ouais. Joe, Clément, Vincent et moi en plus. Ah, j'ai tapé énergie. Beaucoup de monde, hein. Ça a été la totale. Je suis plein dernier. Par contre, je ne sais pas si je dois poster ça sur Youporn ou sur YouTube.